Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne de En Mode Life. Alors on se retrouve ce soir puisque on a fait un drive parce que maintenant je travaille donc c'est pour ça que j'ai moins le temps de vous poster des vidéos et j'en suis désolée. Et du coup on récupère le drive après le travail. Donc voilà, donc là il fait nuit dehors, vous voyez bien qu'il est un peu tard et d'où mes cernes. Voilà. Du coup le drive on le fait chez Carrefour parce que Lidl ne fait pas encore de drive, ce qui est dommage, il devrait le faire, ça serait intéressant. Et j'avais tenté Super U, mais ça n'avait pas été une super bonne expérience. Voilà. Alors, je commence tout de suite par le congelé. Puis, je vais découvrir avec vous parce que je ne sais plus trop ce que j'ai commandé. Comme ça, au moins. Alors, j'ai pris des épinards hachés, voilà, à la crème. Donc, je prends Findus parce que je trouve qu'ils sont meilleurs que les Carrefour. Donc, je prends plus que cela. Les haricots verts, par contre, Carrefour, parce qu'ils sont très bien. Donc, je vois pas l'intérêt de prendre une autre marque. J'ai pris ceci. Normalement, il y avait une promotion, mais c'était deux achetés, le troisième offert. Enfin, à un moment, je vais peut-être pas stocker non plus trois poêlés. Donc, j'en ai pris qu'une seule pour goûter. Et si jamais c'est bon, on verra pour en prendre trois. Donc, j'ai pris la poêlée rustique, pommes de terre, haricots verts, champignons de Paris et boulet. Donc, voilà. Ça m'a l'air bien bon. Après, bon, là j'ai acheté plein de trucs préparés parce que ben, j'ai plus le temps. Voilà, concrètement. Et soir, je sais pas quoi faire à manger, donc ça va beaucoup plus vite. Et Picard aussi. Alors là, Picard, ça me sauve une vie. Demain, je reçois une commande Picard. Je vous ferai un retour de course aussi, Picard. J'ai pris, c'était une achetée, le deuxième à moins 60 ou moins 40, à me dire comme ça. Donc, tarte. Poireau Marie. Marie, c'est une super bonne marque, je trouve. Enfin, les ingrédients, c'est de qualité. Donc, tarte au poireau, voilà. Donc, j'en ai pris deux comme ceci. Deux tartes au poireau, voilà. Je vois que c'est D, donc ça doit pas être super niveau score. Et j'ai pris deux tartes au fromage. Voilà. Donc, les tartes au fromage, c'est pour mon copain. Et les tartes au poireau, c'est pour moi. Voilà. Donc, la deuxième tarte. Et ça, c'est nouveau en plus. Avant, ça n'existait pas. Donc, je vais mettre tout ça au congélo. Bon, je vous reviens. Du coup, pour Noël, j'ai eu une machine à panini et à gaufres. Voilà, donc j'avais commandé ça. Oui, voilà, quand on devient plus âgé, on a d'autres rêves. Voilà, donc moi, c'était mon rêve. Donc, j'ai pris ceci pour goûter. Panini gourmet. Il y en avait d'autres, mais qui étaient un peu plus petits. Du coup, je me suis dit, je vais prendre ceci, c'est mieux. Parce que si c'est pour crever la dalle, là, entre guillemets, non merci. Après, j'ai pris ceci qui était en promotion, c'était un acheté, le deuxième à moins 40 de la marque Reflet de France. Donc c'est une crème de marron du massif, je regarde parce qu'il y a mon chat qui taraude là, du massif central et j'adore la crème de marron. Donc j'ai pris ceci et il y a l'air d'avoir pas mal de marron, tout ça m'a l'air pas trop mal. Hop, après il y avait ceci en promotion. Je regarde, oh, ça va hyper loin. Donc, c'est du pâté de campagne, voilà, bio. Donc, j'ai pris un paquet de campagne et un autre truc. C'est du pâté aussi. Donc, voilà, bio, éleveur, je vous dirai si c'est bon. En tout cas, ça m'a l'air. Le packaging, en tout cas, me vendait du rêve. Promo sur les Benny Nuts, un acheté, le deuxième à moitié prix. Donc, j'ai pris le troisième, je crois. Donc, deux achetés, troisième à moitié. Vous m'avez compris. Donc, j'ai pris grillé à sec. Barbecue et goût bacon. Voilà. Normalement, il y a deux paquets de pain au lait comme ceci. Bon, là, ils m'en ont donné qu'un qui est bon jusque longtemps, donc ça va. Et j'ai pris ceci. Je me suis dit, si un jour on n'a plus trop de pain, c'est bon un moment, donc je vais tester. Donc, c'est du pain au seigle. Voilà. Si c'est bon, si c'est pas bon, au moins ça dépanne. Normalement, il y a deux basiliques et deux bolognaises. Donc là, j'ai deux bolognaises. Voilà, j'ai pris ceci, jardin bio, plein, plein, plein. Bon, moi, que ça soit bio ou pas, vous me connaissez, Yemam Fish. Mais bon, c'est en promo. Et la basilic, je sais pas si c'est deux et un offert ou deux, deux, je sais plus. Je ne sais plus, je vous dis, je découvre en même temps que vous. Après, dans ce qui est frais, normalement, il y a trois paquets comme ça.
Donc alors c'est bon jusqu'à quand? Là on l'entend, donc on est bon. Donc c'est parmi Geno Maxi Format. Voilà, j'en ai 3 paquets parce que moi j'en achète par 3 quand il y a des promotions. Et comme ça au moins j'en ai pour un bon moment. Mais je sais pas où est le troisième. Donc bon. 10 tranches de bacon. Voilà. Du comté pour mon copain. On a pris l'entremont. Parce qu'en fait, il en mange pas beaucoup, donc certes, la marque Carrefour était un peu moins chère au kilo, mais enfin, voilà, vous comprenez, c'était moins cher du coup au prix, comme on en mange pas beaucoup. Alors, moi, j'ai pris 3 paquets de carottes comme ceci. Et là, j'en vois que 2, qui sont bonnes jusqu'au 17. Donc, écoutez, ça doit aller. J'ai pris une rosette pur porc comme ceci. Voilà. Un étortie. J'ai pris la masse de fromage. Hein. Ceci, j'avais déjà goûté une fois la brique, ça m'avait... c'était pas mauvais, du coup, j'ai repris. Il semblait plus. Vous voyez, sur internet, les packagings vous semblent plus gros. Là, c'est vraiment un petit morceau. Hein. Ceci, ça faisait un moment que j'en avais pas pris et je ne les avais pas vus. Et là, je les ai trouvés sur le drive, mais alors ça, mes amis, c'est un peu cher, mais alors c'est pépite. Hein. Ça, c'est pépite. Alors là, si jamais un jour vous avez l'occasion d'en prendre, bon, par contre, c'est calorique. Hein. Voilà. Mais délicieux. Rien que l'odeur, là. Ah là là. Hop, j'ai eu le droit. Ah bah écoutez, ils nous ont remplacé aussi la tartiflette par une autre tartiflette. Bah voyons. J'avais pris 2 tartiflettes Carrefour comme ça. Il y avait une promotion, mais apparemment, il n'y avait pas la deuxième. Du coup, ils m'ont mis l'entremont. Why not? Je m'en fiche. Concrètement, il me semble que ça c'est 500 grammes et ça c'est 450 grammes. Bon, ça va être un peu plus cher. J'ai pris 2 paquets de cheddar parce que je me suis pris de passion pour les nachos et du coup il me faut du cheddar. Et puis même, je me suis dit sur les pâtes, sur un gratin, ça change un peu. Donc maintenant j'achète un peu de cheddar de temps en temps. Donc là j'ai pris 2 paquets. Ça, il n'y avait pas de promo par contre, mais j'ai pris quand même. J'ai pris du plantain. Normalement 2 paquets, il doit avoir une réduction à mon avis. Enfin, j'ai acheté le deuxième à moins 30. Enfin, vous voyez le cinéma quoi. Et normalement j'avais pris 2 paquets. Ça par contre c'est un peu pénible parce que du coup une fois qu'on l'ouvre, c'est. Bon, bref. J'avais pris 2 paquets comme ça, mais de. Ça devait être 4 et 4 tranches, je pense. Ou 6 et 6, je ne sais plus, faut que je regarde. Et là du coup, j'ai eu 10 tranches. Voilà, voilà. Après. J'ai pris un gros paquet comme un gros morceau de pain parce que j'adore ça. Mais je sens que j'ai plus de fruits d'or. Je sais plus. Mais c'est pas grave, je prendrai avec du beurre. Donc je l'adore. Il y avait une promotion sur le sirop d'érable. Et alors moi, j'adore le sirop d'érable. Je sais pas si vous avez goûté sur les crêpes, sur les pancakes, dans les yaourts nature. Vous mettez ça pour sucrer. C'est meilleur déjà que le sucre blanc raffiné et ça donne un goût. Si jamais. Bon, après, il faut le prendre en promo parce que c'est pas donné. Voilà. Ok. Voilà. Des œufs élevés en plein air. 6, ça c'est pour faire les crêpes. Voilà. Et c'est la chandeleur. De la mimolette. Je prends toujours des trucs comme ça, un ou deux, ça dépend, pour faire des sandwichs à la va-vite. Ben, apparemment, c'était la promotion, c'était sur 10 tranches. Je me rappelle plus. J'ai cliqué. Voilà, donc 10 tranches. Le troisième, baby carotte, je ne vous ai pas menti. J'ai pris ceci, semi-épaisse 18% de matière grasse, parce que je me suis rendu compte que la crème légère, entre guillemets, enfin pas légère non plus, 2%, hein, je ne veux pas abuser, mais 18% était aussi très bonne et celle-ci était en promotion, donc tant mieux. Ça fait un peu moins de gras. Une laitue iceberg. Voilà. Je vous montre. Hop, je sais même plus si c'est ça que j'avais pris ou pas. Je ne sais plus. J'ai pris du jambon sec et du saucisson aux noisettes. Ça, je crois que c'est. Ils nous ont remplacé un gros saucisson par du saucisson aux noisettes. Parce qu'il en manquait un. Qui est au même prix qu'un saucisson normal, je sais plus. Qu'une rosette normale, je pense. Donc on a eu aux noisettes. Moi j'en mange pas, je n'aime pas les noisettes, les noix, les trucs. C'est pas mon truc, mais là-bas c'était pas pour moi, donc on s'en fout. Car l'oignon, jambon sec, voilà. C'est pas pour une raclette, c'est pour manger comme ça. J'ai pris des croque-monsieur comme ça parce qu'il nous reste du pain de mie et ça fait toujours zizir de faire des croque-monsieur.
Voilà, celui de Carrefour est, ma foi, pas mauvais, donc je le prends. J'y ai pris un saucisson d'Ardèche pour mon copain et pour moi aussi, on va pas se le gâcher, des fois j'en mange. Donc voilà, de la marque Reflet France, donc c'est de la marque Carrefour, hein. Les saucissons sont hyper bons, franchement je vous le conseille. J'ai pris, oh là là, voilà, je me suis un peu emballée l'astico, comme on dit. Il y avait promo, voilà, sur le Pentagone. Moi, c'est en train de se barrer en cacahuète. Du coup, c'était un 2 acheté, le troisième offert. Donc, j'ai pris 2 Pentagone fins et un gros. Voilà. Ça, on est bon. Ça, c'est mieux quand même, le Pentagone, que le saucisson normal. En viande, j'ai pris 2 pavés marinés. Il me semble que c'est aux 3 pois. Voilà, aux 3 pois. Qui est très bon. Enfin, moi, j'aime bien. Finalement, je vous tutoie. Ça... Il n'y en avait pas avant un Carrefour, puis ils ont pris exemple sur Lidl, donc voilà, maintenant il y a, et c'est pas mauvais. Voilà, 4 fromages, j'avais ceci en promotion, je me suis dit pourquoi pas pour un soir, pas pour moi, je pense qu'il n'y en a pas des masses non plus, donc on va se regarder dans le blanc des yeux. Donc c'est des pâtes 4 fromages un peu plus fancy, voilà. Donc fancy en anglais, ça veut dire un peu plus chic, quoi. Un mont d'or, parce que ça pépite avec du pain. Alors là, bah, moi j'ai fait la dose de fromage, hein, on en est. J'ai pris ceci pour mon copain, j'aime bien. Donc voilà. C'est pas trop cher, ça, 3,70€, ça va. Au kilo, 14€, franchement, pour de la viande, ça va. J'ai pris cordon bleu de poulet, voilà, très simple, pour mon copain. Des nuggets pour mon copain. Voilà. Un sac. Alors, je voulais acheter, vous savez, les demi-baguettes, mais il n'y en avait pas au drive, donc j'ai que des mini-baguettes. Voilà. Bon, ça, ça dépanne quand vous avez plus de pain. Donc, j'en ai pris un paquet. Le deuxième paquet de pain au lait, si vous commencez à connaître. Ça, ça, c'est petit aussi. La brioche pépite de chocolat, mais alors la pastille, hein, parce que le reste, c'est pas là. La même, hein, on va pas se mentir. Alors ça, c'est bon jusqu'à longtemps. Ça, je vous conseille vraiment. Bon, après, faut pas être en régime, hein, là, les gars. Là, on a arrêté le régime, hein. On est parti loin. Ah, voilà. Le deuxième, rillettes de poulet. Voilà. Je me disais bien, bon, j'apprenais toujours les Bordeaux Chanel et tout. Puis ça faisait un moment que j'avais pas pris. J'ai vu ça, je me suis dit, allez, je vais goûter. Ce qui allait avec la promotion, du coup, avec la crème de marron que j'ai pris pour moi parce qu'il ne mange pas de confiture. Donc ça, par exemple, je me dis avec le pain demain, confiture de figue, alors ça, comme ça. Confiture de figue, voilà, excusez-moi, de Reflet de France. Alors, je ne l'ai jamais goûté, mais je pense que ça ne doit pas être mauvais. Alors ça, autant les figues à manger comme ça, c'est pas mon truc, mais alors autant la confiture, c'est ma confiture préférée. Ça et la fraise, voilà. Et la poire aussi de, je sais plus comment ça, confit pote, elle est très bonne. Du miel, voici pour. Alors là, par contre, ça vient. Alors on a du miel de partout, hein, je peux vous dire. Alors Argentine, Mexique, Ukraine, Espagne, France. Voilà. Donc dans ce pot-là, il y a eu. Le gars de ma fille, elle est en train de discuter avec son père, elle est marrante. Bref. Du coup, j'ai pris ceci pour sucrer aussi. Je voulais un miel un peu plus qualitatif, mais il n'y avait pas sur le drive. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. La deuxième, sauce tomate, voilà, basilic. Donc, je m'en rappelais bien. Je me rappelle un peu de ce que j'ai commandé. Et enfin, là, on est sur du plaisir. Mais alors, j'ai fait craquage complet. Ceci. Vous savez, quand on était petit et tout, enfin, moi, mes parents ne m'ont jamais trop acheté ce genre de truc. Mais bon, chez les copains, il y avait... C'est les mini paquets de céréales où, en gros, pour vraiment que ça te cale, faut en prendre 2, quoi. Parce que, t'as le ventre une heure après et qu'il famine. Hein. Bon, ça, c'est, voilà. Même d'ici à mon neveu qui vient, hein, puis même pour nous. Et j'ai pris 3 paquets de Tropicana, voilà, sans pulpe. Hein. Ceux qui connaissent savent qu'avec pulpe, ça ne passera pas. Donc, ça, c'était 2 achetés, le 3ème offert. Je peux vous dire que ça vaut le coup parce qu'au prix du Tropicana. Ça fait mal ou fait les fesses. Hein ? Donc là, il y a presque 6€ d'offert, quoi, en gros. Et c'est tout. Et pour tout ça, il me semble que j'en ai eu pour la modique somme de 159€. Voilà. Je ne peux pas vous ressortir le ticket puisque c'est un drive.
Eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine fois.